Je m'appelle Aurore, je suis finaliste pour la région Pays de la Loire. Je suis élève de CM2 à l'école Saint-Joseph de Bouféré en Vendée. Voici trois de mes passions. Faire du roller, escalader les bobines deux fois en été et manger les boules roses de Noël de maman. Pour la finale, j'ai choisi de vous lire Les enfants terribles de Bonaventure, écrit par Cécile Enroll aux éditions Manière Jeunesse. Bonjour, je suis Cécile Enroll, l'auteur des Enfants terribles de Bonaventure. Alors, dans ce roman, un grand-père entreprend de raconter à ses petits-enfants comment il a rencontré leur grand-mère. Et ça l'amène à parler de l'île sur laquelle il a vécu avec sa bande de copains dans les années 50. Ce roman, c'est un hymne à la liberté, à l'insouciance et à la nature. Alors, c'est Aurore qui va vous faire la lecture d'un extrait. Je suis sûre que ça va être formidable, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Aurore, je te laisse la parole et surtout, amuse-toi bien. Oh ouais. Mon extrait se situe page 139, juste avant l'énigme centrale du livre. Sur le port, il y avait donc désormais une cabine téléphonique. Pour nous, ça avait toujours été le comble du progrès, la cabine téléphonique. Imaginez un peu. Pouvoir parler à des gens qui se trouvaient à des centaines de kilomètres de Bonaventure, juste grâce à un combiné. Bon, cela dit, nous n'avions personne à qui téléphoner en dehors de Bonaventure. Mademoiselle Van der Slick, elle avait quelqu'un à appeler. Parce que de temps en temps, elle prenait son joli vélo et elle roulait jusqu'à la cabine. Ça avait un peu surpris tout le monde au début. Et puis finalement, il en avait été de ses virées à la cabine téléphonique comme de ses sautettes. On avait fini par s'y habituer. Un dimanche, alors qu'on traînait avec Perdreau, on avait surpris Mademoiselle Van der Slick en pleine conversation dans la cabine. T'entends ce qu'elle dit ? Un peu, mais chut ! Elle a dit : Tu es où en ce moment ? Tu crois qu'elle parle à son amoureux ? Moi, ça ne m'aurait pas étonné plus que ça qu'elle ait un amoureux quelque part. Elle était tout de même bien mignonne, Mademoiselle Van der Slick, pour peu qu'on aime les soquettes. J'en sais rien. Viens, on va essayer de se rapprocher. Question espionnage avec Perrault, on était plutôt bons. C'était un jeu d'enfant pour nous d'amener nos oreilles à portée de conversation. Ça va, mais la mission ne va pas être facile, j'en ai bien peur. Bruit de réponse dans l'écouteur. Tu as raison, mais la consigne est claire. L'échec n'est pas permis. Bruit de réponse dans l'écouteur. J'ai un plan, ne t'inquiète pas. Tu te souviens quand il disait... La solution est en toi. Eh bien, c'était vrai. La solution était en moi et maintenant, j'ai un plan. Mais je vais avoir besoin de renfort. Et c'est pour ça que je t'appelle, justement. Bruit de réponse dans l'écouteur. Je ne peux pas t'expliquer ça par téléphone. C'est une mission top secrète et je ne voudrais pas me faire démasquer. Je t'ai tout envoyé. Je compte sur toi, hein? Ne me laisse pas tomber. Tu te rappelles, l'échec n'est pas permis. Bruit de réponse dans l'écouteur. Vite! Oh, je n'ai plus de pièces pour le téléphone. Ça va couper. Bruit de réponse dans l'écouteur. Oui, je t'embrasse. Moi aussi. On se rappelle dès que possible. Fais attention à ta... Ah bah voilà, ça a coupé. Mademoiselle Van der Slick était remontée sur son vélo en disant d'un air déterminé. La solution est en moi. Avec Perrault, on en avait un peu discuté en rentrant. Nous venions d'assister à une conversation digne de film d'espionnage que le projectionniste du Majestic nous rapportait parfois. Je vous assure, les enfants, on n'y avait rien compris, que du message codé et du double sens. Qu'est-ce que c'était que ça ? Nom d'un rat qui fouette, si je le savais ! Tu crois que c'était son amoureux ? C'est certain, elle a dit « je t'embrasse », qui veux-tu qu'elle embrasse si ce n'est pas un amoureux ? Elle a parlé d'une mission.